J'ai failli réussir. Mais c'est dégueulasse. Je vois tout le temps les Américains, enfin, Shane Dawson boire ça. Mais c'est pas très bon, enfin, un peu déçu. Genre, si vous voulez savoir le goût de ça, si vous aussi ça vous intrigue, genre, vous savez les trucs où vous nettoyez votre bouche le matin, genre le rinçage de bouche, ça a exactement le même goût, mélangé avec un peu d'eau pétillante. Vraiment la même expérience. Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve devant ma cheminée. Et on va parler. Je pense que vous avez vu le titre et vous devez vous poser plusieurs questions, genre Annabelle, tu t'es cru pour qui? Qui es-tu pour nous donner des conseils? Je suis ni professeur, ni sage, ni apôtre. Apôtre, c'est quoi déjà ça? Bref. Cette vidéo m'a vraiment été beaucoup demandée, donc je vais vous donner mes conseils pour apprendre l'anglais. Donc en fait, j'habite en Irlande, j'ai vécu 7 ans ici. Et du coup, bah, je parle anglais couramment, donc j'espère que je suis bien placée pour vous parler. Si ce n'est pas le cas, cliquez la vidéo. Si c'est le cas, continuez à regarder. Clique la vidéo en mode genre, casse-toi. I got no time to deal with all your negativity. J'ai oublié de préciser, bah, je suis française, donc voilà, je suis pas irlandaise, ni anglaise, ni américaine. Et si vous faites anglais en classe, genre n'ayez vraiment pas peur de participer. Parce que si vous adorez cette langue, et vous êtes un peu timide, oh, j'ai pas envie que les gens me jugent, qu'ils entendent mon accent. Ça va pas du tout se faire comme ça. Genre, il faut vraiment participer. Il y a un moment ou un autre, on a tous commencé dans le stade. Enfin, on était tous panés en parlant 5000 langues. Le premier conseil, c'est vraiment participer en classe. N'ayez pas peur des autres. Fuck les avis, fuck les rageux. Désolée, je crois ma caméra était sale depuis tout à l'heure. J'ai des abonnés qui m'envoient des messages genre « Ouais, je fais un voyage scolaire en Angleterre, je fais un voyage scolaire là-bas. » Et je sais qu'il y a aussi beaucoup de Français qui viennent en Irlande par exemple, je vous entends parler, je vous vois avec vos ISPAC, je vous cerne déjà. Donc, si c'est le cas, si vous venez en voyage scolaire, c'est super cool. Mais sachez que si vous restez en groupe avec vos amis français, bah c'est dommage parce que genre, vous allez jamais pratiquer, vous allez jamais parler cette belle langue. Je me rappelle mon prof de physique. Du coup, si vous avez l'occasion de faire un voyage scolaire ou de venir en vacances, restez pas avec vos troupeaux. Vous pouvez pratiquer l'anglais avec des moutons ici, avec des vendeurs du magasin. Vous pouvez essayer de vous faire des potes. Ce qui nous ramène au troisième conseil. Si vous habitez en France, avec votre meilleur ami, vous commencez à parler anglais toutes les deux ensemble. Comme ça, vous pouvez vraiment pratiquer, mais il faut vraiment se faire des potes anglais. Si vous avez du mal, vous pouvez vous en faire sur internet. Essayez de parler anglais avec genre votre mère, avec votre soeur. Si vous avez des amis, votre ami. C'est vraiment en ayant des amis anglais que ça vous pousse à pratiquer la langue. Ça vous pousse à faire des erreurs, à comprendre vos erreurs et à vous améliorer. Par exemple, je sais que j'ai un abonné qui est dans une école française à Londres. Salut, si tu passes par là. Et du coup, bah, c'est un nouveau et il est français et tout le monde parle déjà anglais sauf lui. Donc là, je sens ton sentiment parce que j'ai vécu la même chose et puis c'est pas super facile. Donc là, pour toi, il faudra vraiment genre te faire des amis en dehors de l'école. Du coup, t'es dans une école française, tu fais des échecs, du tennis, du ping-pong. Et ne va gratter l'amitié là-bas. Mon conseil préféré parce que genre c'est trop ma vie. Alors, vous allez soit regarder des youtubeurs anglais. Je vais vous citer des youtubeurs trop bien. Jeffree Star, je l'ai vu, mon amour Jeffree Star, ok, donc tu regardes la vidéo de Jeffree Star, c'était le maquillage. Je cite un peu les gens iconiques, mais ça se trouve vous les connaissez pas. James Charles, Bey, Hannah Meloche que j'aime trop, Ava Jules, Hailey Pham, je l'adore. Il y a tellement des pépites sur le YouTube game anglais et vous savez pas ce que vous ratez. Vous avez un compte Netflix, vous allez regarder des séries, ou pas Netflix, hein. Si vous êtes on a budget, excusez-moi, vous allez streaming, c'est illégal mais on s'en bat les couilles. Alors, faut regarder votre série en anglais, puis avec les outils de français, ça va être chiant mais écoute, faut s'habituer. Et petit à petit, tu vas enlever les sous-titres français. Et tu vas essayer de comprendre, genre tu vas un peu te casser la tête. Après aussi ce que tu peux faire c'est de lire des livres, mais je sais pas s'il y a grand monde qui aime bien lire des livres. Moi franchement j'aime bien lire pendant le mois d'août quand je suis en vacances et que je suis à la plage, genre là je prends un livre et c'est vraiment genre la déclaration du monde, genre je suis genre j'adore la lecture. Et après ça je lis plus jamais parce que j'ai un peu la flemme. Mais du coup si vous aimez bien lire, bah c'est super cool, donc prenez des livres en anglais. Faut pas direct se lancer dans le bain et prendre des gros pavés parce que là vous allez absolument rien comprendre. Vous prenez des petits livres, des petits magazines, des petits feuilletons, je sais pas trop quoi. Et les mots que vous comprenez pas, bon les profs chiants ils vont vous dire, vous cherchez dans un dictionnaire
en passant par les pages, vous allez mieux retenir, je sais pas quoi. Ça c'est complètement faux. Ça fait juste super chier. Donc vous allez aller sur Google Translate, vous tapez les petits mots que vous ne comprenez pas, vous écrivez ça sur votre cahier. Et le meilleur conseil, c'est vraiment regarder des séries en anglais. Les séries anglaises avec les voix françaises. Je sais pas comment vous faites pour regarder ça parce que j'ai juste envie de tous les gifler. Enfin, mais leurs voix, elles sont super chantes. Donc s'il vous plaît, vous allez regarder ça en anglais avec des petits sous-titres français ou des petits sous-titres anglais. Vous faites comme vous voulez. Vous allez boire une petite boisson. C'est vraiment super bizarre cette boisson. Vraiment les conseils vitaux. Donc regardez des youtubeurs anglais, regardez des petites séries anglais ou des films. Faites-vous des potes anglais et participez en classe parce que ça va pas venir tout seul. Donc voilà, vous pouvez voir que l'éclairage est jaune maintenant. Je vous ai donné tous mes conseils. J'espère que ça vous a aidé. Partagez en commentaire si vous avez d'autres conseils. Faites pas les radins. Et du coup, voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Et moi, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Bisous.